Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur le Let's Play de Factorio. Dans cet épisode, on va faire surtout un petit tour, alors je vais vous montrer quand même, parce que mine de rien, pour faire mes tests, j'avais fait quelques changements. Donc j'ai rajouté ici des usines de processeurs qui ne sont pas encore alimentées avec tout ce dont il y a vraiment besoin. J'ai pas fini de faire l'alimentation. J'ai rajouté des usines de circuits rouges et j'ai également rajouté des lignes de circuits verts. Donc j'en ai fait des blueprints. Donc au final, il est très très facile de les poser. Donc là, ça produit pas trop mal. Par contre, je commence à avoir un gros manque de cuivre. Donc je pense que dans cet épisode, on va faire un petit peu le tour de l'usine. On va essayer de rectifier quelques problèmes. Des problèmes, il y en a souvent beaucoup dans ce jeu. Et souvent, les heures perdues, toutes les heures que généralement je ne vous montre pas en vidéo, c'est simplement pour résoudre justement ce genre de problème. Donc pour une fois, on va faire ça un petit peu ensemble. Alors je ne vais pas tout vous montrer, hein, quand je trace une ligne de four, je passerai ça vite fait en time-lapse. Je vais vous épargner les longues sessions de posage de bras, etc., etc. Mais en tout cas, donc pour l'instant, le premier problème, voilà, c'est ça, c'est le niveau du cuivre qui n'est pas assez important. Donc je pense que déjà j'avais commencé à rajouter une troisième ligne ici, mais donc, comme j'avais un petit peu la flemme de la tirer jusqu'au bout, je l'avais arrêté ici, je l'avais fusionné, on va dire. Mais malheureusement, là même les trois lignes sont vraiment très très clairsemées, donc on va essayer de résoudre ça. Déjà ici au niveau du forage, donc j'ai tout mis sur deux lignes. Là les deux lignes sont bien pleines, il n'y a pas de souci. Et après ça s'éclate sur trois lignes de four, dont encore une ligne avec du charbon. Donc ça c'est peut-être pas très très bon, je pense qu'il va falloir que je l'arrête. Et surtout le minerai n'arrive pas jusqu'au bout, là ça a l'air de produire quasiment jusqu'au bout. Et là ça produit pas du tout. Donc j'ai trois lignes, enfin j'ai deux lignes ici mais qui s'éclatent après en 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ligne supplémentaire. Donc pour vous expliquer quand même un peu ce que je vais faire, là je vois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes, celle-ci je ne vais pas la compter. Je pense que je vais me rajouter une sixième ligne ici, donc j'ai fait une demande de foreuse électrique, donc j'en ai déjà quelques-unes. Et après on va faire un balancer qui va me récupérer donc ces 6 lignes pour en faire je pense 3. Ici j'ai un petit peu de rab. Donc avec les postes électriques, toutes les foreuses sont déjà alimentées. Ici on va pas s'embêter. Comme il n'y a que 3 foreuses, on va juste la fusionner avec celle-là. Il y a quand même un petit répartiteur. We'll be right back.
J'ai bien 4 lignes bien pleines, hein. On part de 6 vers 4, donc les lignes sont vraiment bien pleines. Et du coup, on va se préparer une quatrième ligne de four. Et pour ça, je vais récupérer un blueprint que normalement, je dois avoir par ici. On va demander quelques robots personnels de plus. Je voudrais en avoir 20 sur moi, toujours. Je crois que j'ai mis, voilà, je me suis mis deux robots ports, donc qui peuvent gérer chacun 10 robots. Donc j'en mets 20, j'en demande 20. Et là on récupère donc le plan. Et normalement je peux coller ça ici. Voilà. Je dois avoir normalement aussi les fours dans des coffres à disposition de la logistique. Donc, il n'y a plus qu'à connecter ici. Et après on va s'occuper de la sortie. Donc mes robots personnels s'occupent de ce qui est hors de la zone normalement, et même non, je dis une bêtise, de la zone verte, mais tout ce qui est à l'intérieur de la zone verte va être géré par les robots de la base directement. Voilà. Est-ce que j'ai bien les fours dans des coffres? Ça par contre c'est la question. J'ai pas l'impression qui me les ramène. Alors on va les vérifier. C'est pas très loin normalement. Non, ils sont là. Non, ils sont dans un coffre classique. On va mettre donc un coffre d'approvisionnement. Est-ce que je suis dans la zone? Oui. Il y en a quelques-uns. Ça devrait suffire. Donc du coup, j'ai plus qu'à gérer la sortie. Donc là, on était sur 3 lignes. On va passer sur 4. Effectivement, ça éclate un petit peu. Je vois que on passe de 4 à 5 forcément. Ça manque un peu. Et ici, alors pourquoi? Ouais, parce que j'ai deux lignes complètement utilisées. Il m'en reste 3. Et je pense qu'il va falloir refaire un 3 vers 3. Pour équilibrer, voire même un 3 vers 2 ici en fait. Voilà, à ce niveau-là, on va faire un 3 vers 2. Ça c'est fait, et du coup, ça devrait bien remplir, je pense, les deux lignes qui restent. Voilà, on va vérifier en amont qu'ici les deux lignes juste pour les circuits verts sont vraiment bien remplies. Mais en même temps, circuit vert là je suis blindé, donc j'en ai pas trop besoin, il n'y a pas trop de consommation. Ici l'échangeur vert 2, et là ça commence à... On va remettre
mettre un échangeur avant, un échangeur après. Je sais pas si c'est très très efficace. Donc à chaque fois je pars vers le haut, j'utilise le cuivre vers le haut, donc du coup ici je monte vers les usines de circuit rouge, donc elles devraient déjà être beaucoup mieux alimentées, et ici je remonte vers donc mes usines de circuit vert, pareil, qui vont consommer beaucoup beaucoup de cuivre. On va patienter un petit peu, on va voir, attendre que tout ça se stabilise au niveau des consommations. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas l'air de consommer beaucoup de circuits verts. Je me demande bien pourquoi. Pour le rouge, là, je dois en consommer beaucoup. Je devais peut-être manquer de cuivre. Je devais sûrement manquer de cuivre. Voilà, ça stack. Et ici, ouais, c'est parce que j'amène pas les circuits verts ici. J'avais préparé la ligne. Voilà, on va commencer à les consommer. Donc ici, on voit qu'au niveau des circuits verts, on a bien tout ce qu'il faut. Ici, par contre, on voit que c'est très, très, très limite. Pourtant, j'ai la ligne qui arrive d'ici. Mais je pensais faire peut-être un échangeur ici. J'ai que cette ligne-là, en fait, qui arrive. Il faudrait que je la mélange avec celle-là. C'est de répartir sur les deux lignes d'usine de processeurs. On va attendre encore un petit peu, voir ce que ça donne. On voit déjà ça stack ici. Ça a stacké en tout cas. On va voir si on arrive à maintenir ce statut. Lui il est en manque déjà. Et eux sont en manque de circuit rouge. Ok, donc le l'équilibrage est vraiment pas facile à trouver hein, dans ce jeu. C'est vraiment une des plus grosses difficultés. Et là, là au niveau du cuivre, donc c'est redevenu à la normale, j'ai bien tout ce qu'il faut. Par contre effectivement, là je suis sur des usines bleues et là je suis sur des usines très rapides. Du coup je pense que ça crée un gros gros déséquilibre. On va essayer de passer tout en usine très rapide. Non. On va annuler tout ça. On va demander directement. Ouais, une centaine, je pense, de modules de vitesse. Ça change vraiment tout, hein, la vitesse des machines. On passe là sur les bleus de 0,75 de vitesse à 1,25. Donc, d'après mes recherches, en tout cas, ça veut dire que. On va prendre, pas prendre un fil de cuivre, on va prendre un circuit électronique. On va peut-être même prendre quelque chose de plus simple en termes de secondes. Voilà, processeur qui prend 10 secondes à être fabriqué. La vitesse est de 0,75 sur les usines bleues, donc ça va prendre 25% de temps supplémentaire. Donc ça va mettre 12 secondes et demie à fabriquer. Et sur des usines donc, qui sont à 1,25, eh bien, ça prendra grosso modo 7,5 secondes. Donc on gagne 5 secondes d'écart entre les deux types d'usines. Et du coup, ben, voilà, ça se ressent tout de suite au niveau de la consommation des processeurs. Est-ce qu'ici on va réussir? Voilà, ici pareil, au niveau de la consommation des processeurs des circuits verts, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus gourmand. Donc c'est ma fabrique de circuit vert qui n'est pas assez rapide, et pareil, même principe, je pense qu'il va falloir que je les passe en usine très rapide. Par contre on voit que déjà là au niveau du cuivre de ce côté là ça rame, j'en ai pas du tout assez. Donc on va déjà tout passer en usine très rapide. Voilà, et là, en ayant changé tout ça, on va voir qu'au niveau du cuivre, ben voilà, ça va devenir encore pire. Là, ici, c'est bizarre, ça a l'air de tenir.
Ça a l'air de tenir au niveau de la cadence. Et là, par contre, c'est une catastrophe. Pourtant, ça vient de la même ligne. Alors lui, il est en train de... Bah, c'est parce que cette ligne-là, je pense, est en train d'accumuler un peu le surplus de la ligne d'en bas. Non, pourtant. Donc là, pareil, on voit que c'est hyper clairsemé. Donc il faudra rajouter du cuivre. Et là, je pense que pour ça, je vais rajouter donc de la foreuse ici. Je vais rajouter de la ligne de four. Et qui va commencer à alimenter en fait directement à partir de la moitié de l'usine. On va dire que le début de l'usine a l'air d'être assez bien fourni. En termes de cuivre, ça a l'air de saturer un peu partout. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Non, déjà là ici, on voit que c'est trop juste. On voit que c'est vraiment trop juste. Ici, ça va. Ici, déjà, c'est trop juste. Et encore, je suis même pas sur des usines très rapides. Je suis que sur les bleus. Et ça coince déjà. Dernière chose, petite chose que j'ai rajouté également, j'avais déjà fait la recherche mais j'avais pas encore mis en place le système, c'est le système de retraitement de l'uranium, le système Covalrex. Donc j'ai juste récupéré le blueprint de mon ancienne partie, qui est un schéma que je vous avais montré dans mes tutos de logique. La seule chose qui me manque, bien évidemment, c'est l'uranium. Là j'en suis à 39, il va pas m'en manquer beaucoup, il m'en faut 41 pour commencer à mettre en route tout ce circuit. Donc il va en prendre, si je vous dis pas de bêtises, il en prend 41, il en prend 40 et il en produit 41. Il m'en manquerait juste un en fait. Et j'ai mis une alarme au coffre pour qu'il me prévienne. Donc on va le mettre à 40. Comme ça, dès que j'ai les 40, ça sonne et je peux venir mettre en route ce système. Donc toujours manque de cuivre. Je pense que je vais devoir exploiter cette plaque d'ici pas longtemps. Je peux mettre des fours là en partant vers le bas. Et après, une fois que ces lignes de four, hein, que cette plaque-là aura été finie d'exploiter. Là ici j'ai gardé plein d'espace, je pourrais venir alimenter avec une voie ferrée qui va aller chercher le cuivre un peu plus loin et qui pourra alimenter la ligne de four que je poserai ici. Pareil ici, toutes ces lignes de four là peuvent être alimentées par ici avec une gare. Donc c'est pour ça que j'ai gardé plein de place autour de mes fours. Ah, et voilà, l'uranium est prêt. Alors on va tout récupérer. On va mettre tout ça là-dedans. Donc la sortie de l'uranium 238 ici, pardon, ici, qui est passée dans ce coffre et qui re-rentre à l'intérieur avec ici un coffre de demande qui m'en demande toujours 4000. Voilà, et ici des coffres d'approvisionnement logistique qui pourront les transférer de là vers là. Et donc on va voir si le système fonctionne bien, mais normalement il devrait me laisser passer 40 uranium 238 et il y en a un qui va passer et qui va arriver normalement ici dans ce coffre. Voilà. Lui, je peux l'arrêter. Alors c'est pareil, la sortie, je l'ai pas faite vraiment très. Là par contre ça risque de saturer. Voilà, j'en ai quelques-uns qui passent ici. Donc, où il va m'en manquer. Mais on va voir que normalement, quand lui va atteindre 40. D'accord. Ça n'a pas du tout marché. Il va falloir que je regarde ça. Il me manque un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as bien compté 41 verres. Donc, tu as 41 verres, tu as un en signal rose. D'accord, mais lui connecté à rien du tout.
Donc lui, il va compter l'uranium 230. L'uranium 235. Donc toi, tu vas compter ce que toi t'as pris. Si rose est supérieur à rouge, la sortie c'est blanc. Donc il me manque une connexion du rose, je pense, ici. Voilà. Voilà. Donc il m'en a bien mis un. Voilà. Et les autres, je vais falloir que je les remette à la main. Le temps qu'ils m'en produisent plein et que ça sature ici mon échangeur, mon répartiteur. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas très pratique. On va peut-être faire directement comme ça. Mais du coup, il y en aura moins à saturer ici. Du coup, lui, on va le récupérer, on va le mettre dans le circuit. Donc la sortie, le principal, c'est la sortie ici. Donc lui, on peut l'enlever, on peut lui mettre une sortie ici. Voilà, bon, j'en ai un de trop, mais qui va aller ici. Que je vais garder sur moi. Mais normalement, le compte est bon. Donc, lui, je vais pouvoir le mettre, je pense, dans un coffre d'approvisionnement. On va mettre ici. Voilà. On va tout mettre en coffre d'approvisionnement dans le même coffre. Voilà. Et on va mettre un coffre de demande ici. Dans lequel on va demander. Lequel on va demander. Là j'ai déjà du surstock, on va dire. Donc lui je peux le commander. Je peux regarder. Celui-ci. Donc toi, tu vas lire le contenu en continu. Et conditions d'activation, il n'y en a pas. Voilà, il va lire le contenu en continu. Là, il y en a 8. Donc on va dire que toi, tu t'actives. Tu vas récupérer un si ça est inférieur ou égal à 6. Voilà, donc je sais pas si on le voit. A priori, il est rouge ici. Et ici, on peut donc demander. On va demander de l'uranium 235. On va demander un, toujours un. Voilà. Donc il y en aura un toujours ici qui ne sera déposé que si ici je suis en manque de barres d'uranium et je pense qu'on peut tout à fait légitimement laisser qu'une seule usine et ça suffira largement et lui va se remplir petit à petit grâce au Covalrex. Donc on sera jamais en rate d'uranium 235 et je vais pouvoir commencer à utiliser cet uranium pour par exemple faire des bombes nucléaires que je n'ai pas encore débloquées. D'ailleurs, voilà, bombe atomique qui demande 30 uranium 235.
Donc c'est très très gourmand, mais par contre c'est hyper efficace. Je vous en ferai la démonstration, bien sûr. Je vais faire ici l'exploitation de cette plaque. Une ligne de four supplémentaire vers le bas. Tant pis, je remonterai les lignes de cuivre le long de la voie ferrée pour aller alimenter tout ça. Je prépare tout ça, je pense, pour le prochain épisode. Voilà, un petit épisode tout tranquille aujourd'hui. On a fait un petit peu le tour de l'usine, voir un petit peu ce qui marchait, ce qui marchait pas. C'est souvent très très utile de le faire, hein, de faire un point, de regarder un peu comment ça tourne. On va finir par aller voir justement un peu au niveau des potions jaunes. Ça a l'air de bien se passer, ça a l'air de bien stacker au niveau des processeurs, au niveau des piles. Je pense que j'en ai juste pas assez en fait. J'en ai 10. C'est vraiment trop léger, donc je pense que je vais également augmenter tout ça. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit épisode détente vous aura plu quand même. Et puis on se retrouve très vite pour, je pense, une vraie évolution dans notre base. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.